Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve avec le petit carte à jouer pour une petite session PVP 1 contre 1. Donc c'est ce qu'on vient de me proposer, je me suis dit que ça pourrait pas trop mal de faire du 1 contre 1 contre vous. Contre des persos, je vais dire PVP, mais du niveau plus ou moins pareil au mien. Donc on va jouer ça en 3 manches gagnantes. Donc en maximum 5 combats en fait, et c'est le premier à 3 victoires. Donc voilà, on va être parti. En plus, je vais essayer de faire ce rendu-ci en 1080p pour voir si la qualité est meilleure. Vous me direz quoi dans les commentaires après, ben, après la vidéo directement si vous trouvez ça bien, pardon. Donc on va y aller. Donc j'ai l'initiative. Donc on va aller par là. Ah non, ça c'est dégueulasse. Voilà, il me souhaite bon match. Donc ça va bien partir. On va mettre le chaton direct. Roulette. Une petite perception. Deux. Et on avance. Voilà, en espérant que le chaton va bien se passer. Non, il se passe pas bien. Tant pis. Donc, je suis face à Kava. Donc, c'est une Sadida niveau 86 avec 1500 de vita. Il invoque une gonflable directement. Donc, ça, je vais faire attention parce qu'il a plus de PM que moi. Donc, je vais essayer de la niquer tout de suite. Voilà qui est fait. On va se la jouer en mode bourrin. Hein. Je vais essayer de le tacler un maximum. Comme je suis agi, il faudrait que j'arrive à le bloquer. Ouh, par contre, il m'enlève 3 PM. Mais bon, je peux m'en rajouter techniquement, donc. Allez, espérons une bonne roulette. Il m'enlève seulement un PM. Un PA, pardon. 70 dommages de poussée. On va mettre des PM au chaton. Donc pour le moment, je suis toujours full vita. Donc on va dire que j'ai un peu l'avantage. Et là, le chaton l'a complètement bloqué. Ça, c'est cool. On va essayer de faire ça bien. Une tape au feu de brousse. Il y va au sacrifice poupesque. Il a pas réussi. Ce qu'on va faire, on va faire ça. On va se booster et on va aller à son cac. Comme ça, elle sera doublement bloquée. Comme ça, le chaton peut me soigner et le peu de vita qui me reste. Et là, elle est complètement bloquée, la pauvre. À moins qu'elle sorte une. Il fait tout pour tuer mon chaton. Il a compris, je suis toujours full vita là. Donc pour le moment, j'ai un peu l'avantage, je dirais. Alors on va aller à la roulette. Roulette 300 agi. Là, il va prendre cher. Voilà. 2 fois moins 358. Il lui reste 161 PV. Et je suis toujours full live, donc j'aurais vraiment fait un bon premier combat. Donc bien sûr, suite à cette vidéo aussi, j'essaierai de faire d'autres combats PVP 1 contre 1 si ça vous plaît. On va mettre de l'érosion. La Vitamax ne baisse pas. C'est assez chiant, ça, par contre. Il reste 161 PV. Ça va être la fin de sa vie, je pense.
On va lui envoyer super chaton sur la gueule. Ah oui, 2 PA. Et un petit bluff. Moins 44, je pense que chatron devrait pouvoir le terminer. Oui, voilà. Donc première victoire pour carte à jouer. Première victoire. Donc on va. Est-ce que je reste ce stuff là? Ouais, c'était pas mal. Donc deuxième combat. J'ai toujours l'initiative. N'a pas changé de stuff ni rien. Donc c'est un BO3 en fait. Match, le premier à 2 victoires. Ah, l'enfoiré. Rouler 2 PA pour commencer, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux y aller avec l'odorat histoire de me rapprocher un maximum. Je vais me mettre en tactique histoire qu'on voit mieux. Bon, le chaton y avance. Bon, faudrait que je gagne, hein, comme ça, ben, un petit 2-0 pour commencer. Ça pourrait être pas mal. Elle y va au feu de brousse, mais elle peut pas faire grand chose. Là, sa gonflable qui est là. Là, par contre, je vais perdre pas mal de PM. Voilà, on la tape un petit peu, comme ça, le chaton devra pouvoir la terminer. Ah, mais non, merde, il a plus de PM. Donc voilà, il a failli tuer mon chaton, il n'y a pas arrivé. Attention, roulette! Roulette 2 PA, la deuxième. On va invoquer hein, comme on a les PA. Allez, petit chat faire fou joue bien. Oui! Il joue bien. J'ai toujours full vita, et là, le voilà un petit peu bloqué. N'invoque une folle et il va essayer de se débloquer par ici, mais je vais le choper au passage. Et une bloqueuse qui va servir à rien puisque elle est en train de se bloquer elle-même. Que j'arrive à aller là et alors là, ça va être le viol collectif. Ah oui. Tu viens de signer ton arrêt de mort, malheureusement. On va tenter le bluff qui passe pas. Bon allez, on va se booster pour le prochain tour. Donc là, elle est complètement kéblo. Va rien pouvoir faire. Le chaton qui va soigner, qui va taper les. J'allais dire les poupées, mais non. Bon, par contre, je vais bouger ça parce qu'on voit absolument rien. Voilà. Oh oui, troisième roulette PA. Ah, oh, punaise, je suis en veine. Voilà. Il n'y a plus de bloqueuse. Il vient là, il me soigne. Pas de souci, elle chacha qui joue super bien en plus. Elle lui ce qui est bleu. T'inquiète pas, je sais bien, je vais tuer ta sacrifice. Je sais que ça fait super mal.
Voilà. Le chacha qui continue de bien jouer. Alors, on va t'en sortir la troisième roulette PA. Roulette. Roulette 300 force. Dommage. Oh, le CC. Le chat fer fou qui change de cible. Ok, il décide de venir me taper. Il m'a fait mal. Va falloir que je m'y mette. J'ai encore tous mes sorts de défense, donc il n'y a pas de souci. La folle, si elle m'enlève. Oh putain, elle va me faire chier tout le temps. Bon, le chaton va venir me soigner, je pense. Voilà, nickel. Et il se décale. Putain, il joue trop trop bien le chaton. C'est épique, quoi. Roulette 40 retraits de paiement. Bon, là, on va y aller. Là, par contre, la sacrifiée, elle va me faire bobo. Mais bon, j'ai 30%, donc elle devrait pas me faire trop mal. J'ai toujours mon contre-coup et ma chance, donc pas trop de soucis. Elle se met en arbre. Ce que je vais faire, c'est tuer mon chat fer fou. Voilà, et réinvoquer un chaton. Histoire de se soigner. Voilà. On va sauver boost. Voilà. On se booste à mort. On est soigné par les chatons. Voilà. Ça va taper. Et ça sent la double victoire. Voilà, elle a réinvoqué. Et voilà la victoire! Double victoire de cartes à jouer 2-0 dans ce premier BO3. Bref, tu t'es fait trouer. Donc voilà, bah j'espère que ce genre de vidéo vous fait plaisir. Bah moi en tout cas c'était bien marrant à jouer. Petite carte à jouer, bah, première victoire en PVP 1 contre 1. Bah, j'espère que bah, ce genre d'épisode, enfin de vidéo avec le petit carte à jouer va vous faire plaisir. Je vais essayer de refaire plus souvent du carte à jouer parce que j'ai bien vu que ça vous faisait plaisir. Ben voilà, bah, je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!